Minou, 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 minou. Oh les amis, ouais, non, toujours pas trouvé le chat. Je suis allé voir dans la sorte culture artificielle et plus rien. De toute façon, le vaisseau est grand, donc avant de le retrouver, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais on aura au moins le temps de se faire un petit stream pour explorer à nouveau un shmup des années 1980. 1987 pour être précis. On va mettre le pad dans un titre qui s'appelle Super Real Darwin. Le fly est très joli, le fly est excitant, ça fait très métal hurlant, science-fiction, la totale, je pense que tu vois ça, t'as envie quoi. Maintenant, j'ai jamais approché ce jeu, donc on va vraiment faire le stream de la découverte, bah, ensemble. Vous montez? Oui, après ce grand silence, tout le monde attend mon fail de démarrage. J'en suis totalement conscient et je vais avoir une information à vous donner d'ici très très peu de temps, je pense. Je pense que vous avez l'information. Le fail de démarrage a été effectué. Oui, un jour, j'arriverai à démarrer ces streams sans qu'il y ait ce petit souci de capture d'écran qui est un peu capricieuse et puis qui, une fois sur deux, ne veut pas. Non, tout simplement. Voire même des fois, deux fois sur trois. On parie? Non, je ne parie pas. Je ne joue pas au jeu de hasard. Je joue qu'au shmup. Ah, le chat. Non, j'ai cru entendre le chat. Non, on va regarder ta démo déjà, SRD. Alors, tu as du gros pixel. Bon, ceci dit, ça n'empêche pas que on peut avoir du gros pixel et être jouable. Alors, tu as du gros pixel et de l'écran encombré. Bon. Si je récapipette, on va dire que tu as du gros pixel, de l'écran encombré, et en plus, le sprite du joueur me semble faire une bonne taille ou c'est moi? Je sens que cette aventure va être assez complexe. Bon, c'est un shmup à mémoriser, apparemment davantage qu'un shmup à jouer. Puisque si t'es pas au bon endroit, au bon moment. Bah, il n'y avait pas 36 000 autres manières de passer le passage. Best 10, là où je ne serai pas aujourd'hui, je présume. C'est Mua, avec mon suppositoire volant. J'ai peut-être une bombe ou un truc pour niquer les choses au sol. Ouais, c'est ça. Je peux déchirer les trucs au sol. C'était des bonus, ça? J'ai pas compris. Alors c'est ça le problème des jeux des années 80, c'est que bien souvent on te fait relire des trucs en disant le mec il va comprendre du premier coup. Comprendre quoi? Comprendre rien du tout. C'est des bonus, je confirme. Oh les lasers. Alors eux, ils ont des sprites, genre leur hitbox c'est 2 pixels quoi. Moi, je suis curieux de voir la mienne. Apparemment elle est moins grosse que le vaisseau en entier. Si, j'ai bien vu. On va vérifier ça au fur et à mesure. Alors comment ça, je suis très critique aujourd'hui? Bah, vous savez que j'ai d'autres choses à faire. Hein. Faut que je retrouve le chat, une. Et le vaisseau est immense, je vous rappelle. Waouh, d'accord, j'ai perdu un niveau de... Ça a été expédié, j'ai joué combien de minutes en jeu effectif là? Trois vaisseaux? Ce bouffe-pièce m'a l'air très affamé. Alors, on va être honnête quand même. Si on est en 1987, ce jeu est foutre en retard. Déjà, graphiquement. Il est foutre en retard, bah, niveau innovation, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il est foutre en retard, même sur les décors, quoi. T'es là, tu fais. Sur la musique. On est limite hein, quand même. On commençait à faire des vrais partoches à l'époque là, faut quand même y songer un peu. Hein. Ah ça y est, si tu ramasses bien les bonus, tu as droit au super vaisselle. Le vaisselle de luxe qui défonce. Alors l'autre bouton. Ah l'autre bouton c'est pour se retransformer, j'ai paumé tous mes bonus du coup. What the fuck? Il y a des choses que je n'ai pas super bien compris avec ce jeu. Mais bon. Qui serais-je pour comprendre un shmup du premier coup?
Alors, les bonus qui sortent de l'écran, hein, et ne reviennent jamais, ça fout un peu la larmiche à l'œil. Pium! Oh, cette bombasse, j'ai pas tout compris, hein, la bombasse. Ah! Purée de saleté, de bordel de schnitzel. Oui, c'est l'avantage de pouvoir dire des mots étrangers dans un stream. Au moins, tu ne te fais pas engueuler, puisque tu as un vocabulaire parfaitement immonde, peut-être, mais on ne peut pas vraiment le savoir, puisque les bonus se barrent vers le haut. Mais ce jeu se fout de ma gueule. Vous avez vu ça? Rembobiner 10 secondes. Les trucs qui ont été flingués en haut de l'écran, les bonus se sont barrés en remontant. Je regarde le compteur, je vois que les 5 minutes sont passées et vous avez bien deviné mon désir intense de ne pas remettre de crédit dans cette machine maudite qui va vite aller voir son jeu dormir dans la malle au grenier puisque moi, rejouer à Super Real Darwin, c'est une chose qui n'arrivera plus jamais. Je vais faire comme vous, je vais m'extasier devant le fly. Il est beau ce fly, hein. Bah, fait comme s'il n'y avait aucun produit derrière. Voilà, on a bien résumé. Je vous laisse les deux playlists habituelles et je vous donne rendez-vous à demain à 19h puisque je serai encore vivant et je serai encore là. Et puis, après, je spoil là. Non, je vais arrêter. À demain.